Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. Je me suis rendue chez Action il y a 2-3 jours, mais je n'ai pas eu la possibilité de vous tourner la vidéo avant. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Et nous allons commencer avec la catégorie nourriture. Alors, j'ai repris ceci. Je suis désolée, l'emballage, ils l'ont fait à l'envers. Donc voilà, je sais pas comment ça se fait, ça a été mis en packaging à l'envers. Donc voilà, je les aime beaucoup. Ceux-ci, les goûter pour moi, ça a été les adopter, 1,75 €. Ensuite, je n'avais jamais vu des packagings aussi gros. Désolée pour le bruit. J'ai pris ceci. Donc c'est un gros paquet de 500 grammes de petits bretzels. Donc voilà, je connaissais les plus petits paquets, mais je n'avais jamais vu ces packagings-ci. Donc voilà, 500 grammes et c'est 1,57 €. Ensuite, heureuse, j'en ai repris plusieurs paquets, les Big Chipito. Il n'y en avait plus pendant 1 ou 2 semaines. Ils sont, si vous aimez les Chipito, ceux-ci sont encore 100 fois meilleurs, on va dire. Donc voilà, et c'est 98 centimes le paquet. J'en ai pris un petit stock du coup. Toujours pour rester dans les chips, j'ai repris des croquis comme ceci au paprika et ils sont à 89 centimes. Ensuite, j'ai repris un petit mix, oups, pardon, comme ceci. Donc avec, je sais pas si vous verrez bien. Parce que je filme à la lumière du jour. Pour une fois, je ne filme pas le soir. Voilà, il y a différents types de cacahuètes dedans. Et c'est 99 centimes pour 175 grammes. Ensuite, j'ai mis ça dans la catégorie nourriture. Parce que même si c'est pour les chiens, ça reste de la nourriture. Donc j'ai repris des petits bonbons pour les chiens. J'ai pris les bâtons plats comme ça au poulet. Il y a 200 grammes dedans, je sais pas, on n'a pas mis le nombre de. Ah si, je pense qu'il y a 20 pièces. Et ils étaient à 82 centimes. Et comme d'habitude, j'ai repris plusieurs paquets à 89 centimes des Dentastix, enfin Dentastix marque Action. Et voilà, les chiens chez nous les aiment beaucoup. Ils sont très bien, rapport qualité-prix. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, 89 centimes le paquet. Voilà, on va passer à la catégorie suivante. J'ai fait un peu, enfin c'est petit, hein, mais un peu du divers et un petit peu de tout. Donc je commence par ceci. Je me suis repris les petites soquettes comme ça pour l'été à 89 centimes. Il y avait des blanches également. Moi j'ai juste pris une paire de noires. Dans le basique, j'en avais besoin. Voilà, le paquet d'un kilo de sel pour la vaisselle qui est à 97 centimes. Il est très très bien. Toujours dans le pas folichon, mais bon, je les aime beaucoup et j'en avais besoin. Les blocs pour Wissé, les super fines. Il y a trois senteurs différentes. Mais moi, voilà, ma préférée, c'est le citron. Ils sont à 79 centimes et franchement, rapport qualité-prix, top aussi. Ensuite, j'ai repris du liquide vaisselle. Je suis revenue à l'orange parce que voilà, je trouve que le rose n'est pas génial dans cette gamme-ci. Par contre, l'orange, je suis toujours aussi fan. Donc 99 centimes et je pense que la contenance doit être oui, 500 millilitres. Donc voilà, j'aime beaucoup la majorité de ces produits-ci et entre autres le produit de vaisselle orange. Ensuite, j'ai repris on a régulièrement des enfants à la maison et j'ai pris ceci donc pour faire des bulles. Tout simplement à 1 € pièce. Il y avait plein plein de choses différentes pour faire des bulles, mais ça dépend de l'âge en fait. Hein. Moi, la petite choupette, ma filleule en fait, qui est régulièrement chez moi, n'a que 3 ans, donc il fallait que je prenne du facile, du soft, donc ceci. Mais il y avait aussi des espèces de petits moulins, enfin vraiment des choses différentes pour faire des bulles. Enfin, dans la catégorie d'hiver, je suis trop contente. J'ai enfin trouvé cette bougie-ci. Donc, qui est une bougie, je vais essayer de vous l'ouvrir parce que. Voilà, ça s'ouvre pas super facilement. Je sais pas si vous le verrez bien. Je vais essayer de rapprocher. Voilà, c'est une bougie à 3 mèches. Elle sent, mais ça a une odeur de ouf. Ça sent très très fort. Je ne l'ai pas encore fait brûler. J'espère que en diffusant, en brûlant, elle sentira aussi fort. Mais voilà, bon, elles sont
un peu cher pour des bougies à action, c'est 2,69 €. Mais franchement, si ça diffuse bien, je pense que ça en vaut la peine. Le packaging est sympa. Maintenant, il y avait deux autres senteurs, mais je vous avouerai que les autres sentent aussi fort, mais moi, j'aimais pas du tout l'odeur. Donc, je n'ai pris que celle-ci. Ensuite, qui dit action, évidemment, pour celles qui me connaissent, disent scrap. Donc, on va enchaîner avec la catégorie scrap loisirs créatifs. Je vous montre les quelques petites choses que j'ai trouvées. Alors, apparemment, en Belgique, les arrivages sont plus lents qu'en France parce que je les avais déjà vus sur plusieurs halls, mais moi, je ne les trouvais pas. Donc, j'ai trouvé les grands attache-tout à 79 centimes le paquet. Donc, je vais pouvoir faire des attaches altérées, tout simplement. Donc, je les cherchais avec impatience. Je ne sais pas si ça rend bien parce que là, moi, avec la luminosité, je vois pas. Mais en fait, vous avez la moitié de doré, la moitié d'argenté. Et est-ce qu'ils disent combien il y en a dedans? Oui, il y a 13 couleurs or et 12 couleurs silver. Voilà. Donc, ça, c'était cool. Dans la même catégorie et au même prix, j'en ai profité pour prendre, je vais vous montrer de l'autre côté, les petites attaches comme ceci qui étaient aussi à 79 centimes et près des attaches tout. Donc voilà, et là il y a 8 couleurs or et 8 couleurs argent. Ensuite, je me suis enfin décidée à l'acheter pour faire les pochoirs et les moules pour celles qui me suivent. Je ne l'ai pas fait en vidéo, mais pour celles qui me suivent sur Insta ou Facebook, j'ai fait pas mal de tests de pochoirs, de moulage ces derniers temps. Et voilà, je n'ai pas encore testé ceci, mais quand je vois les réalisations et puis le prix, surtout aussi, donc pour 1 kilo, c'est 3,99 €. Voilà, il y a pas mal de scrapeuses qui l'utilisent et qui font vraiment des choses magnifiques avec. Donc, je l'ai acheté pour le tester. Mon basique, j'avais plus de colle, donc j'ai repris celle-ci pour les petits collages, les petites créations, c'est suffisant, donc c'est 99 centimes. Ensuite, il y avait dans mon action un arrivage aussi avec des petites choses en bois, donc moi j'ai pris les boutons, il y avait aussi des bobines et il me semble des boutons plus petits, enfin je ne sais plus, il y avait trois sortes, il y avait ces boutons-ci, des petites bobines, ça je suis sûre, et le troisième, je ne sais plus trop ce que c'était. Donc voilà, il y a 33 pièces et c'est 79 centimes, simplement. Pour continuer, ils sont enfin rentrés chez nous aussi. Je les attendais depuis un petit temps. C'est les fameuses feuilles qui sont, enfin, ils disent papier embossé, mais c'est surtout, j'espère que ça rend à la caméra, c'est iridescent. Et vous avez toutes les couleurs qui sont là en bas. C'est du 15-15. Bon, c'est pas très épais, mais je me dis pour mater une carte ou peut-être même faire des découpes dedans, pourquoi pas. J'ai pris un paquet. Ensuite, je vais avoir une réalisation Disney à faire et donc j'ai craqué sur ces petits craft stickers-ci. Donc il y a 36 pièces dedans. C'est mini, hein, j'ai pris mini. Donc voilà, et c'est 99 centimes la boîte. Ceci, je l'ai trouvé au rayon enfant. Ensuite, toujours pour celles qui me suivent, j'étais malheureuse, je n'avais pas trouvé l'entièreté. Des marqueurs aqua, voilà, chose qui est faite. Il me manquait le vert, je les ai trouvés, toujours à 3,99 €. Voilà, maintenant ma collection est complète. Ensuite, au rayon papier cadeau, je ne les avais pas vus la dernière fois non plus. Ici, je les ai trouvés, donc j'étais contente. J'ai pris les petits carnets comme ceci. Je vais voir si je sais éventuellement, parce que j'en ai pris deux, mais. Vous l'ouvrir sans que ça prenne trop de temps, vous montrer ce qui est à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, vous avez plein de petites choses comme ceci qui peuvent effectivement servir pour des paquets cadeaux, mais bon, moi je vais plutôt les utiliser comme die-cut, hein. Je les trouvais pas mal. Donc j'ai pris ce thème-ci. Il y en avait quatre différents des thèmes, et moi j'en ai pris deux. Donc. Voilà, bon, je vous montre rapidement hein, parce que. Hop. Donc il y a des petits tags et des petites étiquettes de plein de formes différentes. Bon, je ne peux pas aller jusqu'au bout, vous avez vu le principe. Donc c'est 1,26 €. Il y en a. Ils disent 30, mais à mon avis c'est 30 pages parce que c'est quand même assez gros. Donc j'ai pris ce packaging-ci.
Et j'ai pris celui-ci qui est plus dans les noirs et blancs. Donc voilà. Moi, je trouvais ça pas mal du tout. Je les trouvais pas avant, je les ai trouvés, donc bah, contente. Ensuite, il restait du papier aquarellable, le rose à 1,74 €. Comme ils ne l'ont pas régulièrement, bah, je l'ai tout simplement, j'en ai repris un de réserve. Et enfin, pour terminer, trop contente de les avoir trouvés également, parce que je vous avouerai que je ne les avais jamais trouvés. Bon, j'ai un bloc ici, il est un petit peu corné, mais en même temps, il n'en restait que deux dans le rayon. Donc, je les ai pris sans trop réfléchir. C'est les fameux blocs avec bah, les feuilles noires, les feuilles craft, et ensuite les feuilles blanches. Donc, il y a 20 blanches, il y a 20 craft, il y a 20 noires. C'est du papier assez épais. Je sais pas si le grammage est mis dessus. Eh bien, non. Il est juste mis carton. Enfin bref, c'est du papier. Voilà, c'est du carton relativement épais. Vous les connaissez, c'est pas nouveau. Ils sont à 1,84 €. Et donc, j'ai pris deux blocs. Voilà, c'est terminé pour mon petit haul. Je vous remercie de m'avoir écouté et suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, à gauche, à droite, je vous mets mon compte Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous y abonner, car je n'ai pas tout le temps de faire des vidéos sur mes réalisations ou ce que je fais, ce que je publie. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, également à activer la petite cloche. Et puis en attendant, merci beaucoup et gros bisous ensoleillés à tous. À bientôt!